Heureux. Y a rien qui va t'aller. Y a rien qui va t'aller. Déjà, ce matin, je n'ai pas arrêté de dire que c'était du caron, ça, mais c'est pas du caron. C'est du derrière. Je suis vraiment irrécupérable comme meuf. Heureux, Sorette. Vous avez bien mangé, vous aussi? Je vais me baisser un peu mon son. Oui, c'est du derrière carqui Là, j'ai dû redémarrer le PC. Il lag de fou le truc. Allô? Oh, j'ai vidé un peu les caches, tout ça. Mais j'ai une connexion de merdouille cacatoum. Doudou, encore acheter des cadeaux pour Liam et pour Jade, ça arrivera après Noël, à ce qu'il me dit. Mais il y a un moment, faut que t'arrêtes, gars. C'est bon, ils en ont assez. Il en a pris pour les enfants de sa collègue aussi. On se prévoit un truc l'année prochaine avec eux. Oh, d'accord. Doudou a une vie sociale, attention. Bon. Du coup, je sais pas si le texte là maintenant c'est trop petit ou pas. Je sais pas. Bon, du coup, on avait dit la main hein, que j'ai zappé tout à l'heure, bien entendu. Non, ça fait du bien de manger, j'avais faim. J'ai continué un peu mon épisode de This Is Us. J'ai regardé un peu ça aussi hier soir. Liam, il a pas tilté le truc. Un coup, on est un coup dans le passé, dans le présent. Enfin, c'est. Il n'a pas compris le truc. J'ai essayé de lui expliquer, il me fait oui. Ouais. Mais je me dissocie. J'ai la masse. Fucking j'ai la masse. Fucking j'ai la masse. Remélo, ça va? Fuck, j'ai la mouth. Mouth. Là, j'ai pas rajouté de son. Cassie m'en aura envoyé. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai fait un nettoyage CC Cleaner. Le temps que le PC se redémarre. Nettoyage, tout ça. J'ai relancé la box aussi. Missing you anymore, missing you anymore. Ouais, ça va. On est reparti dans le Deria, du coup, et pas Christine Caron, comme j'ai pu dire ce matin. That's the really one. Je suis parti de café, du coup. C'est pas bon. J'arrête. L'eau, c'est bien. Taz a même pas relevé. Elle est pas là. Ce que tu lui as envoyé? Goodness is... Ah, le caron. Ah ouais, ce matin, ouais. C'est vrai. Missing you anymore. Missing you anymore. J'ai froid. Oh, vivement le printemps, hein, je vous le dis. Mais oui, du coup, le raid. Je savais pas qu'elle faisait ses pauses comme ça, en fait. Elle laisse tourner grave le stream. J'ai été... Ah, c'est quoi qui... C'est la caméra, encore? Putain, mais elle a pas envie de marcher, celle-ci. Oh, la meuf, là, t'as froid aussi?
Elle n'a pas envie. Allez, meuf. Elle a froid. Do you really now? Missing you anymore. J'ai pas réfléchi pour les cheveux. J'avoue. J'étais à fond dans ma série. Voilà. Les cheveux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? De toute façon, il faut que je sorte les polices déjà. Polly, where are you? Non, pas maintenant, toi. Blond et bleu. Une pure soirée. Ça y est, c'est un coup de barre. C'est ouf à chaque fois. Lui blond, du coup. Dun, dun. Une question de... Vas-y, DJ, fais speeder le son. Tu sors du matin, on est déjà à fond. Que ce matin va être une pure soirée. Même mon moteur de recherche a changé. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a fait mon PC, là. On fait la teuf. On fait l'after. J'essaie de trouver un combo du coup. Moi, je pars en teuf. Tu te fais des meufs. Donc lui, blond. Ok. Quel... Wallet brown. Ouais. Je... Bah, le noir, je sais pas si j'en rajoute vraiment. Parce que bon, avec déjà le grayscale, c'est pété le sang. Je suis en train de coudre des perles minuscules sur la robe de mariée. Ah là là. Toi, c'est pareil, tes yeux, s'il y a jamais un jour tes yeux commencent à... Tu vas pas être bien. Hein. Pure soirée. Tu fais des trucs vachement minutieux. Le soleil. Dans les cheveux. Pardon. Eh, mon corps, il est... Il est habitué, hein. Je vais aller... Je vais peut-être faire ATM, hein. Je vais faire la sieste. Arrête déjà, ma main, c'est compliqué parfois, alors si les yeux... Ouais. Non.
Un fil. Là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon noir? Il est là. Sais pas si je vous avais dit, mais j'ai retrouvé le la petite licorne doudou de Jade que je pensais qu'on avait donné. Finalement, on en a retrouvé une. Je l'avais dû en garder une. Elle était contente. Mais non, je suis dans la voiture, qu'elle me regarde. Elle fait... Lina, voleuse! Volez mon doudou! Oh, j'étais là, non, mais arrête! Arrête! C'est pas le tien! Avec son regard là, les yeux en bas là. Alors. Tout chou. J'ai l'arrière de l'oreille qui me gratte. Ça, après on dit quelle teinte. Celui-là, le brown ocre, et après je prendrai le cream. Peux-tu mettre la playlist Twitch, c'est pas grave, ça ne changera un coup. Ça va encore passer trop vite cet après-midi. Je suis. Bon, je pense que ça va être bientôt les vacances. Oh là 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 là. Oui, donnez-lui à manger, pauvre bête. Oh. Ah. Tout frais le 28, hein?
Je vais me coltiner mes parents pendant 10 jours. Yeah! Putain, c'est doudou. C'est pas des vacances en fait. Chaque fois il me dit, je repars, je suis plus fatiguée que. Oui, c'est ça. Pour ça, je vais peut-être essayer de refourguer Liam. Histoire d'en avoir peut-être qu'un à la maison dans quelques jours, ça pourra au moins souffler pendant les heures de sieste. Liam, il appréhende, il me dit, ah, je vais avoir trop de devoirs pour les vacances. Il n'est pas pressé d'être en vacances parce qu'il sait qu'il va avoir des devoirs. Il dit, il va être dur les devoirs que je vais avoir pour les vacances. Ça, c'est une mèche à elle, hein. Il a pas des cheveux si longs, lui, hein. Recalderne. Je les aime, mais 10 jours de suite, c'est trop. C'est pas pour rien que je vais à 350 km de chez. J'imagine pas habiter tout près de mes beaux-parents. Oh non, Jojo, non. On est à 15 minutes. Enfin, quand c'est moi qui conduis, quand c'est eux, ils mettent une demi-heure, 45 minutes, voire plus. Suis sûre qu'ils partent de chez eux quand c'est l'heure où ils doivent être chez moi, je pense. Je pense que c'est ça leur truc. Puis là, avec ma crise, ma mère va. Oh, ouais. Tu vas être encore plus fatiguée. Ouais, c'est demain, faut que j'emmène les hôtes. Parce que s'ils nous voient les descendre de la voiture, mes enfants, ils croient encore au Père Noël. Hein. Liam, il y a eu des doutes un petit peu l'année dernière. Mais ça a l'air d'être parti. Donc, tu sais. Parce qu'à l'école, y a toujours un pour dire. Ferme ta bouche, dis donc. Laisse-le croire s'il a envie d'y croire, s'il te plaît. Mais déjà, on part bien, les beaux-parents ne viennent pas cette année. Moi, je fais qu'avec ma belle famille. Il y en a un petit comité quand même. Il y a toujours les mêmes. Mais du coup, là, nous, on le fait le dimanche midi. On va faire en avance cette année. Liam, il est content, du coup, il se dit, ah, je vais avoir mes cadeaux avant tout le monde. Oh, we go. Je sais pas s'il fait blond, mais bon. Il fera plus blond avec le contraste. Ouais. Alors, pour elle, je vais utiliser quoi comme crayon? Ivory, c'est celui-là. Nougat. Walnut Brown, il est déjà là. Celui-là. Ouais, et le black, du coup. Mmh.
Non, je les fais pas. Non, non, je fais pas blond foncé, brun foncé, elle. Non. Oui, lui, là, je l'ai fait blond. C'est pour ça que je trouve que ça fait foncé quand même. Et là, je vais lui faire brun foncé. Bleu. On n'avait pas dit ça, hein. J'ai pas fait ses sourcils, non, monsieur. Non mais brune bleue, ça peut, ça aurait pu le faire. Ouais. Moi l'artiste, ouais. Ouais. C'est moi qui décide, hein. Ce soir, je fais le dodo de Jade. J'espère que je vais pas m'endormir. Parce que hier soir, j'y étais juste allée pour faire le bisou, hein. On a vu ce que ça a donné. C'est pas possible. Il va vraiment falloir que j'arrive à me reposer correctement. Ouf. Tout le temps fatiguée comme ça. Et du coup, j'ai déjà fini mon tome 5 d'Heartstopper. Et la série, il y aura, enfin, il y aura 6 livres en tout. Donc, il ne me reste plus qu'un livre qu'il va falloir que j'attende encore. Tant que j'ai attendu celui-là. Et du coup, la série, je sais pas combien il y aura de saisons en tout. Je pense pas qu'il y en ait 6. Je pense qu'il n'y en aura peut-être que 4 pour finir l'histoire. Je sais pas. Mais bon, je veux les hors-série. Hein. Parce que voilà quoi. Ça se lit tout seul. Enfin, lire si c'est un bien grand mot. Hein. C'est un roman graphique. Hein, mais... Pas beaucoup de texte, mais. Je sais pas si mon poignet est pas en train de repartir en live déjà, malgré l'infiltration. Je fais que de lâcher des trucs là, ça me saoule. Ah. Ah. Yeah. It's true. Vas-y. Ah.
Toutes les personnes qui ont fait des infiltrations n'ont jamais fonctionné longtemps. Ouais. J'avais déjà fait deux au gauche, mais je pensais que Simpson, ça avait quand même marché un peu plus longtemps. Surtout que là, elle a vraiment été faite via écho, quoi. Donc, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est une idée que je me fais ou. Parce que ouais, là, ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Mais bon, je sais pas si le fait que le coude, ça joue ou pas là. J'ai rendez-vous la semaine prochaine du coup pour le coude. Je vais voir ce qu'ils disent, si on voit quelque chose à l'écho. Mais bon, il y a forcément quelque chose si il y a des jours où je peux pas le déplier. Oui, c'est ma main dominante là. Alors que ouais, j'avais fait infiltration sur l'autre côté. Donc. J'avais quand même mal plus à la gauche que. La gauche était plus sollicitée. À mon poste. Le droit, c'était pour bipper. Donc c'est quand même, tu fais ça toute la journée, bip 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 bip, et l'autre, bah t'attrapes, donc t'étires, tu t'attrapes. Enfin c'est sollicitation aussi, hein, mais c'est pas la même. Je l'ai fait pour un doigt à ressaut. Je me suis fait opérer 6 mois après. Ok. Je verrai bien. Je sais ce que c'est maintenant. Vous avez reçu la notif ou pas? Ah, regarde, si. Bip bip, ouais. Si elle était là ce matin. Eh, le 28, il bouge pas. Ça commence à être ardos, non? Make me feel like. Aïe, aïe, aïe. Cent cinquante XP. Ouais, on va pas. Ça va commencer à être raide. Va y avoir du challenge. Elle va rester de level 28 un petit moment. Ils auraient limite pas dû mettre la copulation là. Ils auraient dû. Quand elle passe de level, elle change. Ça aurait été. Enfin, je sais pas. C'est sûr, là, on peut choisir un peu. L'adversaire. Enfin, l'adversaire, non. C'est pas un adversaire, meuf. Une copulation. J'ai pas eu de notif, moi. Bon. Ouais, un partenaire.
Moi, les notifs, c'est pareil, j'en ai très très peu. Hein. Franchement, je sais pas ce qu'ils font. J'oublie cette mèche-là, ça serait bien. Elle fait quoi? Elle essaye de l'étrangler avec ses cheveux? Ou... que j'arrête de regarder. Faites entrer la cuisse, c'est moi. N'empêche que ce cas n'est jamais arrivé encore, hein. Je ne l'ai pas vu. Elle va continuer encore un peu? Ouais, faudrait que j'arrive à recouper pour que ça... Merci Cassie pour ton 10e mois. Des gros gros bisous. Youpi pipi. Youpi pipip. Hourra! Mon Dieu, j'étais toute seule là. C'est totalement ça, Vélo. Je me suis sentie seule d'un coup. Tristesse. Tu as les corbeaux passés dans les mangas. Moi, je... Elle est longue, celle-ci. Les corbeaux passés comme dans les mangas. Ah bon? J'ai jamais fait gaffe à ça dans les mangas. Attends, j'en ai lu quand même plusieurs. Si ça serait plus souvent des mouettes. Ah, tu l'as fait en français. D'accord. Punaise. Oh, mon cerveau. Je n'en puis plus de lui. C'est quand le perso dit ou fait un truc con. Ouais, c'était du Tasmanien la première fois. Ouais. Il s'est fait traiter d'idiot en Jap. Bien que je me relise un petit manga aussi. Je vais en remettre un ou deux sur ma table de nuit. Que je continue. C'est quoi que je lisais? Truc de l'apothicaire là. Je trouve plus le début de la phrase. Le début du titre. On touch the sky. Oh 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 oh. On peut faire une chouchou là-dessus, non? Oh 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 oh. Les secrets de l'apothicaire? C'est ça? Je sais plus. Mais bon, j'en suis au tome 3 normalement. Zoomé, zoomé. Je pense que j'y retournerai peut-être pendant les vacances, aller chercher la suite. Je sais pas s'il y a eu une suite à celui que je préfère, c'est Bright Story. Je sais pas s'il y a un autre tome de sortie.
Mais ça suffit, Cassie. Arrête avec tes bites. On a retrouvé des beaux yeux. Par contre, on a eu le parbuffle. Les carnets de l'apothicaire. Ah ouais, c'est pas les secrets, en effet. Waouh. Je suis complètement à l'ouest. Tu l'avais commencé, celle-là, Sorette? C'est Taz qui les avait pris aussi, ceci. Mais je suis sûre qu'elle les a pas commencés. Didi, il me semble qu'elle les lit aussi. J'ai oublié une machine. C'est des dents. Ouais, Parbuffle. Il a un appareil dentaire. Moi, ça me fait penser à la grille, aux grilles des 4x4, là. T'as pas ça sur le devant de ta voiture, Mélo? Non, t'as pas commencé? Le pare-buffle. T'as pas ça devant ta Tatia? Non, c'était pas. C'est que sur les dusters. Ouais. Tu vas voir. Il est resté sur le mur. Méchante. Non. Bah moi, c'est ce qui a pris. C'est ce qui a pris le choc. Mon aquaplaning. J'ai perdu des dents. Mon père, il a un duster. Il n'y a pas le pare-buffle d'ailleurs. Il me semble que c'est interdit maintenant. Sérieux? La nouvelle Dacia, je la trouve jolie. J'aime bien le nouveau logo. Je le trouve design. Oh. On voit pas vraiment une. Enfin, si, vous voyez une différence, vous? Je pense que je vais peut-être rajouter une teinte. Putain. No watch me. Je pense que je vais rajouter le vin Dick Brown. Moi aussi, mon père, moi. Eh ben, carrément. Ok. Comment on va? Vous pensez que je fais un fond ou pas de fond? Pour moi, les persos se suffisent à eux-mêmes. Ouais. Alors, tu as réussi à rajouter des musiques? Non. J'ai pas eu le temps. Parce que mon PC a décidé de me dire. Profond. Voilà. Il laguait de fou. J'arrivais plus à ouvrir un truc. J'ai dû le reboot. Puis après, bah, j'ai fait un nettoyage CC Cleaner. Bilan, je suis arrivée à 14h et des bananes. Voilà. Moi qui n'aime pas être en retard. Voilà. Je suis le genre de meuf à avoir des suées quand j'arrive en retard quelque part. Je n'aime pas ça. Si j'ai pas un quart d'heure d'avance, 5 minutes, je suis pas bien. Ah. Non, j'ai pas. Puis là en plus c'est ma playlist basique qui passe, c'est même pas celle que j'avais prévue pour le celle qui est prévue pour le stream. Moi j'aime pas être en retard. C'est le truc. J'aime pas qu'on me fasse attendre, alors j'aime pas faire attendre les gens. Je pars toujours de ce principe-là, de pas faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Peut-être qu'il a.
Moi, Zef, trop traumatisé par mon père. Lol. Bah, je vois mes beaux-parents toujours en retard. Toujours en retard. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Tu leur dis 1 heure, mais voilà. Quand t'as prévu quelque chose derrière et que c'est relou, c'est relou. Puis qu'ils vont te faire la remarque si toi t'arrives en retard ou quoi que ce soit. Je vais non. Allô? Oh? Oh? On va où là? Non, ça c'est une. Ça que c'est. Mon père se prépare 1 heure avant tout le monde pour aller dans la voiture et la démarre 20 minutes avant l'heure prévue. Ah ouais, non, quand même. Là, c'est trop. Je vais pas chauffer la voiture. Du coup, il nous attendait tout le temps en allant. Finesse, oui, j'imagine. Oh là là. Du coup, j'ai pris le contre-coup inverse. Ouais, je comprends. Moi, je me souviens pas trop si mes parents étaient ponctuels ou pas. Franchement, je sais pas. Sais pas. Sachant que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à savoir lire l'heure. Je suis le genre de personne à pas dire quand ça va pas, quand j'ai pas compris, quand machin. Voilà. Enfin, j'étais. Je pense pas que je le sois encore. À part quand je dois aller voir un doc, je suis toujours en retard. Mais de toute façon, ils sont toujours en retard, donc. Ça, c'est le truc. Chaque fois que je vais à l'hôpital, j'essaye d'être toujours en avance et tout. Bilan, bah j'attends une blinde de temps. Parce que bah, c'est masse retard. Je vois rien que la CPAM. J'arrive avant lui, alors que je suis pas forcément très très en avance. Mais non. Donc tu te dis, il est déjà en retard à son premier rendez-vous. T'es là, ouais, ok. Je vois le gars. Tranquille, tranquille, Émile. Voilà. Pas stressé de la vie, mais du tout. Hein. Mon mari a pris le truc, il me donne toujours un horaire. Bah, il connaît la personne, quoi. Non, ça va, on voit la diff quand même. Le pire, c'est que c'est une nutritionniste en retard de 3 heures. Quand j'ai demandé à la secrétaire, elle m'a dit c'est son retard habituel. Oh my god. Oh. Mais ces gens-là, ils sont pas pressés de rentrer chez eux le soir ou comment ça se passe? Parce que forcément, il y a toujours 3 heures de décalage. Je comprends pas trop. Enfin, là, ils aiment leur travail, hein, donc ils préfèrent être à leur boulot qu'à la maison. Peut-être. Mais moi, non. Je sais que je préfère être chez moi. On me redonne rendez-vous. À 8 h, elle se pointe à 11 h sans sa blouse, pas de crème. Ah, si elle est courte, les autres rendez-vous. Enfin, franchement, c'est pas.
Oh là là. Ah, je trouve ça pas. C'est pas cool. T'as pas envie de respecter les gens comme ça, quoi. C'est bon. Ils te respectent pas, quoi. Donc pourquoi je la respecterais? Et alors, les conneries qu'elle m'a racontées pendant le rendez-vous, j'hallucinais. Oh là là. C'est pas qu'elle aime son boulot, c'est qu'elle le fait très mal, c'est qu'elle est là pour la thune ou. Faut que je taille. Ça a réveillé un trauma, j'ai mis trois mamans en mettre. Oh là là. Cauchemar. Oh mon Dieu. Mais ils sont nocifs. Hein. Coucou Lia, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Ah bah normal que tu y sois pas retourné, hein. Je veux dire, il y a un moment, non, quoi. On n'est pas maso, hein. Ah si, moi j'ai été un petit peu maso avec mon boulot, mais. Donc ouais, le fond, je pense pas que je vais faire quelque chose. Ou sinon juste faire des petits cœurs à droite, à gauche, parce que c'est l'amour. T'arrives pas à faire l'effet cheveux? Attends, c'est que du hachurage. Puis bon, là, avec le grayscale, c'est plus simple. Hein. Franchement. Pour t'entraîner, il n'y a rien de tel. Hein. Tu fais que des hachures, des hachures. Ça va. Je suis contente d'être en live. Ça me fait du bien. Ça me fait avancer mes colos. Ça serait bien que j'avance l'Atlantide pendant les vacances. Je suis en train de penser, vu que je vais pas pouvoir live parce que ben il y aura les enfants à la maison. Je me dis que pendant les siestes de Jade, il y a peut-être moyen de moyenner que je fasse de l'Atlantide. Franchement. On n'en parle plus. Ah, je mets mes cheveux. Vous arrêtez de tomber, s'il vous plaît, merci. Essayez de faire un effort. Hein. Je vous donne tout ce qu'il faut. Ouh là là, Cassie. J'ai été voir une nutritionniste qui me disait qu'il fallait que je mange 4 fois par jour, alors que je lui expliquais, travaillant de nuit, je ne mangeais que 2 fois par jour et que je ne grignotais pas. Et là, elle me dit, ah si à 16 h, faut manger et à 18 h, il faut manger votre repas. Là, je lui explique que je ne peux pas manger avant 22 h 30. Elle me dit, non, mais faudrait quand même manger à 18 h. Et du coup, après, je fais quoi? Je rentre chez moi. Et vous croyez que je vais pouvoir dormir alors que. La dernière fois que j'ai mangé était 18 h. Non mais oui. Mais teste avec le grayscale, franchement, Lia. Franchement. Tu vas level up rapidement. Il n'y a rien de tel. Le grayscale pour les. Même là, pour la peau et tout, ça aide vachement. Stash tosh. Karuka chiketa, tubidou, stash tosh. Grayscale, quand tu débutes, c'est vraiment très bien. Comme ça te permet de voir où sont la lumière, les ombres. Karuka-chika-tik-tik. Karuka-chika-tu.
Il faut juste avoir des crayons bien couvrants ou alors que le papier ne soit pas imprimé trop fort en ancrage. Oui, si c'est un Grayscale super dark, forcément, c'est pas. Mais tout ce qui est Christine Caron, voilà, Daria Carcir. Oh, voilà, je vais pas y arriver. Allez, moque-toi, Sorette. Stakirzoï. J'ai encore un cheveu qui s'est coincé dans mes lunettes. J'en ai marre! Oh. Allez, encore un de cassé. J'en remets un peu plus. Pourquoi ça fait ça? Caruca chiqueta. Je vais finir par mettre des petites barrettes là. J'ai piqué les barrettes de ma fille. Même pas peur. Elle va me défoncer. Elle va me dire, maman, t'es une voleuse. T'es comme Lina. Sauf que toi, tu me piques mes barrettes, t'es pas mon doudou. Caruca Non, franchement, le grayscale permet d'évoluer au niveau cheveux, niveau portrait. Que je lui colore ses ongles quand même. Je lui mets de la paillette, hein, parce que sinon il n'y a pas de paillette dans le colo, ça va pas. Eh bien nourrie, notre petite Simone et Janine, elles sont bien là. Caruca chiqueta, doubidou, stache, stache. Qu'est-ce qu'on met comme paillettes del chicas? Non, faut que j'arrête avec le doré parce que bon, il est bientôt fini. Hein? Et j'ai pas racheté de backup orange, non. Un rouge. Je suis pas sûre qu'on est parti, mais on est parti là. Attention. Qu'est-ce qu'il a mis? Ah, c'est lui qui nous était. Bon. Bah, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, au revoir. Il met toujours le même truc. Mais en même temps, je vais pas avoir grand-chose. Hop, ça c'est fait. Non, je vais peut-être le garder et puis faire quelques petits. Ah, mais non, mais ça va baver si je fais ça avec du Pentel. Je vais faire une colonie. Et je fais ça. C'est sûr. Je pense pas que je vais blender parce que ça fait un effet cheveux, ça fait un effet texture. Encre. Ouais. Ouais, je vais sortir avec un petit tampon. Ouais, ça devrait passer crème. Merci, Kevin. Back to the star. Mon petit noir. Faire un petit son. Et par contre, je veux. Non. Celui-là. Devrait envisager de se retirer les doigts du huc écolo. C'est pas faux. Alors, l'encre, je l'ai mis où?
Je crois que c'est avec ma licorne. À l'aide. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Pour l'effet nuit. Le tour du zozio. Du un peu plus clair. C'est dans quel celui-là? Il me dit rien. C'est du Carlson. Mais je touche pas au fond, je le laisse comme il est. Mais si tu fais un halo, essaye de faire un halo un peu plus bleu clair autour du zozio. Le Gothica? Ah ouais? Le papier est comment là-dedans? Bon, tu vas me laisser tranquille, toi. Je cherche mes tampons encreurs qui se doivent être. Ah non, il y a pas de chocolat là. Ah oui, c'est ça aussi. On n'a pas oublié de faire les chaussettes de Père Noël. Non. Moi, je suis le genre de meuf à oublier, hein. Il va me rester plein de chocolat sur les bras. Qu'est-ce que j'ai fait de cette pochette avec mes. Bah là, le fond est noir imprimé. Ah ouais! Mais bon, je pense que si tu pastel sec, ça va tenir dessus. Ça va se voir, je pense, non? Ah, il est juste là sous la chaise. Hein? Regardez. C'est la quenelle de la licorne. La pauvre. Ça me ferme le cœur de ne pas pouvoir la sortir plus souvent. Mais je peux pas retasse. Je peux pas la sortir plus souvent. Elle va me la défoncer. C'est sûr. C'est sûr. J'ai encore plein de trucs de DP aussi là. Il va peut-être falloir que je me remette. Est-ce que je vais avoir le courage de finir ceux qui sont entamés? Est-ce que je vais retrouver quel truc va avec quoi? Oh, les trop. Attends, ta corne, elle a un peu de travers. Voilà. T'es trop bims, t'es trop bien. Je peux pas te laisser sortir. Je peux pas. Tu sortiras quand tu seras majeur. Le feutre à alcool et l'aquarelle ne se voient pas dessus. Pastel sec ou encre Colorex. J'aimerais avoir des cheveux comme elle. Bon, attends. Qu'est-ce qu'on prend? On prend un petit. Est-ce que j'ai du rouge? Ça fait pas. Ça fait Bordeaux. Ça passe parce qu'après c'est des couleurs pastel que j'ai, c'est pas la peine. Non, non, j'ai pas de rouge. Bah ouais, j'ai pas tout acheté, écoutez, parce que j'en suis pas forcément très satisfaite et j'en ai pas d'autres d'encre. Waouh. Pour le fond, Cassie, elle a un fond déjà noir de base sur fond. Mais ça ferait ressortir son bestiau si elle mettait un peu de bleu plus clair que son zozio derrière lui. Mais vu que le fond est déjà noir, pastel sec, penses-tu? Je sais pas si ça va le faire. Wow. Une petite brosse sympathique, sympatoche. Pastel crasse et nullier. Ah, même son colo, il est déjà fait, en fait. C'est parce que j'ai peur que ça recouvre son colo, justement. Vu que son colo est déjà fait. Ouais, c'est pigmenté quand ça a envie, ça. Hein. C'est-à-dire, pas souvent. Oh, je suis médisante, ça se voit.
Faut pas que je faut que je fasse gaffe parce que quand même que je vois où sont les cheveux. Wow. Autour du dessin en dégradé. Oh, ça a bougé. Ça pue. J'avais déjà rajouté du crayon plus clair sur les plumes autour du monsieur Piu-Piu. Oui, monsieur Piu-Piu. C'est maître hibou. Pardon. Obligée. Voilà, je ris, je donne. Voilà. Alors, merci, monsieur. Oh, merci. Tellement. Oh. Mignon. Donne, toi, tu donnes. Qui sentit. Caresse. Tes mots doux. Je les ai pas mis droit, on est d'accord? Putain. Le truc, il est de travers. Vous voyez? J'en veux plus. Putain. C'est pas possible. Je peux pas faire un truc. Non, je peux pas. Ça ira. Tout arriver. Ah oui, avec moi, il peut tout arriver, c'est clair. Je suis allée au distributeur déposer de la monnaie sur mon compte. Il y a trois personnes devant moi, le gars qui était sur la machine, j'étais en biais et je lui voyais tout. Il dormait dessus, normal. Il sortait liasse sur liasse, je jure, au moins une dizaine de liasses qu'il mettait dedans. Chaque fois, ça comptait et il sortait un ticket. J'ai bavé sa mère, j'avais jamais vu autant de billets. Je voyais des boîtes de Prisma partout, cauchemar, lol. Toi, tu donnes tellement. Toi, tu donnes quand t'es. Toi, tu donnes. Ça va être sympa, là. Qu'en pensez-vous? Yeah. Oh putain, je pète un câble. Merde, j'en ai mis plein la gueule. Aïe, 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 aïe. Non, pas là. Run. De... C'était peut-être un commerçant. Il y avait une Porsche dehors, c'est sûr, c'était la scène. Ouais. C'est fort possible. C'est Beauvel, c'est de l'art ce que tu fais. Ouais. C'est de l'art en barre. Ah. Faut que j'utilise mon matériel action, hein, n'est-ce pas? Truc qui reste toujours dans les placards. J'utilise rarement des pochoirs. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Ouh.
together. In your face. Sais pas, mais j'étais à deux doigts en sortant. J'étais seule avec lui en lui demandant pour Noël, il pouvait faire un geste et me donner juste 100 balles. Ah ouais, mais c'est parce que c'est la merde en fait dans le coin là. Ouais. Et les cheveux, on a dit non. Pas touche. Là, faut que j'en mette au moins un. Quand même. Pas dans les cheveux, on a dit. Vous avez vu le doigt magique? J'ai un doigt effaceur. C'est le caron, Val. Je vais faire du pochoir aussi. Je vais te copiter. Mais du coup, c'est pas un caron. Ce matin, tu m'as pas reprise. Ce n'est pas un caron. J'ai dû du caca ce matin. Comme quoi, même les meilleurs, voilà, ça leur arrive. Hein. On n'est pas parfaite. Hein. Loin de là. Hein. Oui, c'est Kersis. Sakirzoï. Karki. C'est Sakirzoï, c'est pas Car qui soit. Ouais. Comment ça, du caca, je comprends rien. Bah, ce matin, j'ai dit que c'était un caron. C'est de l'encre, Val. Si oui, avec mouchoir mouillé, tu essuies les cheveux, ça enlève. Non, mais avec mon doigt, c'est magique, ça part. Si c'est beau, mais trop de cœur pour moi. Ah, bah, trop d'amour. L'amour, tu jures, l'amour. Attends. Où je retrouve la jonction, elle est que là la jonction, d'accord. Oh, Mélo. Ah là là, vivement la Saint-Valentin, les filles, hein! Ça va foutre sa merde! Elle sent sa pu. Oui, ça se passe. Si Méline aspire sa chambre, je répète, Méline aspire sa chambre, lol. Ouais, vas-y, aspire. Aspire, meuf. Allez, c'est bien, hein? Hein, c'est bien. Waouh, ça pue l'amour. Je vais montrer à Doudou ce soir, je vais te regarder, c'est toi et moi. Être mort de rire. Merci. Je vais continuer Cendrillon. Allez, on range. Je suis désolée. Tu repars dans ta quenelle. Je suis désolée. Mais si tu te fais attraper, voilà. C'est pour ton bien. D'accord? Ne m'en veux pas. D'accord? Un jour, tu sortiras au grand jour. Un jour.
Il sent ma froideur, lol, c'est surtout ça. Ouais. Miss Imenai, Imenai. Pauvre licorne, elle est dans sa quenelle. Et il passe plus de 10 heures là pour hein. Toi, je te laverai un jour, peut-être. Toi aussi. Voilà, mon cultive. Voilà. Tu vois, Cassie? Les faits. Voilà, it's done. Attends, je jette le crayon, regarde. Meuf, elle pète un câble. Bon. Ouais, c'est bon, hein. Je rajoute rien, rien, je ne rajoute rien. Merci Cassie. Mirki, Mirki. J'aurais peut-être dû en mettre un peut-être par là de cœur, non? Je vois, il y a une zone blanche. Attention, c'est peut-être la boulette que je fais, hein. Voilà, peut-être. Voilà. Tu as fait Brad Pitt et Angelina en fait. Ah ouais? Ils sont plus ensemble, mercredi. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait de mon. Il est là. Cendrillon. Je l'ai pas fait. Hein. C'est noté. Hein. C'est moi et Christian, mais lol. Loul. Allez, on va repartir sur le dos. Le dos cendrillon. Barbie Cendrillon, on fait un enfant. Voilà. La voilà. Faut que je range mes polis, ça serait bien. Hein? Parce qu'ils vont aller à la cannelle aussi. Hein. C'est pas grave. C'est quand ils étaient jeunes. du coup, je sais pas si la tête. Oui. Voilà. Merci, mes petits polychromos. Just a minute, Bon, on va ranger les Prisma Love. Parce que là, il y en a beaucoup. Et que c'est bon, là, normalement. Le bleu, si je vais en avoir besoin pour la robe. Toi, tu restes, je pense. Mais du coup, pour l'effet pailleté, on fera avec des stylos gel blancs, je pense. Un blanc, puis peut-être un bleu. J'ai du bleu. On verra ce qu'on peut faire. Je vous ai frôlé, je sais pas si vous l'avez entendu. Il y a de la tension entre vous. Ça fait bizarre du coup de voir ma trousse Prisma, mais pleine à craquer. J'ai plus un stylo backup qui rentre. Mais en fait, je suis con, je pense. J'ai de la place dans mes lumis. Je pourrais en mettre là aussi, en fait. Bah ouais. Donc ouais. On verra dès que je peux, je me reprends les deux qui me manquaient, du coup, et la suite de ma liste. Si je les trouve. Parce que là, je m'étais bien amusée hein, sur Ali pour chercher chacun. Hein. Parce que tu essayes de mettre le numéro, mais vu qu'il s'appelle déjà pas Prismacolor, c'est. Alors là, il m'en manque un crayon. 110. Le 109 qui me manque, c'est quoi le 109? Celui-là.
124 et 116. Allez. 24. Oui, c'est normal. Et là, il manque un gris. Ah. 38. Il m'en manque encore un de gris. Et ça, c'est pas un gris. Tourne pas. Ah, il y en a encore un. J'ai sorti, je sais pas combien de bleus du coup pour elle. Hop, et le 81. Mais non, je vais en avoir besoin, je pense. Alors, la pelote que je. Attends. La petiote, enfin, pas la pelote, que je garde le midi. Je la regarde plus depuis semaine dernière. C'est sa sœur qui fout rien, qui a pris relais. Son père l'oblige depuis la blague. Sa mère, à peine lundi matin 7h. Vous pouvez juste l'emmener à l'école. J'ai oublié mes clés. Oh, oh là là, chaud. Pauvre gamine. Enfin bon, c'était ça, hein. Mes parents, ils ont jamais fait les devoirs avec moi. Hein. Je les faisais, c'est bien, si je les faisais pas. Les cahiers de liaison, c'est moi qui les signais. Ils en avaient rien qu'à foutre. Hein. Ça faisait 2 ans, je lui demandais 60 balles, j'ai eu droit à un. Puis ça nous arrange, on a eu des frais pour descendre. Lol. T'es là! Et on a fait un. Pourquoi c'est le truc abonnement qui est passé? Normalement, c'était. Oui, follower. Je préfère, il est quasiment rempli celui-là. Ça fait mieux. On arrive au bout. 5 followers. 5. Je fais ça en plus. Hein. 5 followers. Alors la robe. Comment on annonce ça? Ouais, 901. 900. Ah bah, c'est comme le serre-tête en fait. Donc ils sont déjà sortis mes crayons. Je la vois venir. Elle veut plus me donner quelque chose et se dit que je serai dispo pour la dépanner, mais c'est mal me connaître. Je me suis investi grave avec cette petite l'année dernière. Je la garde à midi et à 16h, 20h à manger. Elle faisait du. Ben oui, attends, hein. Du pain béni pour la mère. Hein. Ah, maintenant qu'ils se démerdent, hein. C'est bon, t'as essayé plusieurs fois. Tu. Voilà. Il y a un moment, de toute façon, ils changeront pas ces gens-là. C'est dommage pour la petite, mais. On 02 après. Ouais. 10-24. 10-24 et le 10-23. Et le 10-60. Je vais encore demander ce que c'est que le 10-60. Vous y croyez? C'est un gris. Voilà. C'est pas cher en plus ce que tu demandais. Bah oui. Bah, qui a payé la garderie. On verra. Sa mère préfère qu'elle soit chez moi. Ses grandes sœurs lui ont pété le bras une fois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que je prends une image de rêve quand même pour la robe? Into water. Don't turn in. Cendrillon. Flame. Non, les papas. Je peux avoir une image du
du dessin animé, ça serait bien. Putain, ah, elle ressemble vraiment pas à Cendrillon, hein. To come in so you better run. Je vais télécharger celle-ci. Mais je vais enlever le fou pour vous. Ouais, c'est bon. The alors. Ils font chier avec leur cookie là. Bah, elle est où, Cendrillon? C'est enregistré où là? T'es où, Cendrillon? Mercredi. Donc j'ai fermé la page. Au secours. À l'aide. Je sais pas pourquoi je sais pas mis tout à l'heure. J'arrive. Pendant vacances, j'étais du genre à la prendre des après-midi entières pour qu'elle s'amuse avec Lily et quand je parlais parc et. Où je demandais rien, même le week-end parfois je le faisais venir si je bougeais pas. Ouais. Ouais, ils ont profité à mort. Celle-ci. Pourquoi t'es sur le côté, meuf? Viens par nous. Ouais, trop gentil, c'est ça. On est trop bonne, trop conne. Il profite. Voilà. Faut créer l'alliance. Sa mère disait, ah, j'ai de la chance. De la chance, elle est très autonome. Lol. Personne livrée à elle-même. Rien à foutre pour te dire le matin. Elle se lève seule. Ses sœurs dormaient et elle était en mode sort du lit quand je l'ai sonnée à 8 h. Oh là là. C'est ça. On fait les boobs. Notif, merci. Ouais, t'as éclairci. Je pense que c'est bon, hein. De toute façon, tu peux pas faire grand-chose avec ce fond noir. Il aurait fallu sinon que tu l'encres avant de faire ton colo, mais là, ça, tu peux pas. Donc, laisse tomber. Laisse comme ça. C'est pas de la chance, elle est obligée de le faire, c'est la loi de la jungle chez elle.
Ouais, mais elle a deux sœurs de 17 et 18 ans sur place. Je sais même pas si elle mange un truc avant d'aller à l'école. Bah ouais, le fond est noir et blanc. Sinon, ouais, l'image de ref, Google. Puis j'enlève le fond blanc. Pour que vous l'ayez comme ça. Pourquoi? T'es jalouse? Mais on voit bien que c'est pas la même tête quand même. Google-le. Ouais, Google-le. J'ai googlé. On va pas lui faire une ombrelle jaune quand même sous les aisselles. Hein. C'est une princesse. Hein. Elle a la frange de l'autre côté. Oui, en plus, c'est le mauvais. Regarde. Si ça te choque, je peux la. Non, je peux pas. Ah si, putain. Allez, là. Merde, je me suis plantée. Je voulais lui mettre la tête à l'envers. Clairement. C'est tout à fait ce que je voulais faire. Tout à fait. Voilà. C'est mieux la frange. Tel Justin Bieber. Non, Justin Bibé. C'est tout. Elle a juste, elle est juste imbibée dans son jus. Quelle technologie! On n'arrête pas le progrès. En fait, je m'en veux parce que c'est pour les fenouilles. Et vu que le colo était déjà en effet nuit, j'ai rien à rajouter. Est-ce que j'ai un peu joué la facilité? Mais du pastel sec au fond. Vas-y. Pastel sec bleu. Pour rajouter une touche bleue quand même. Ah, je me fais agresser. On m'agresse, on m'agresse. J'ai appelé la police. On m'agresse. On m'agresse, putain, elle me saoule là. Elle est sortie de ses gonds. Secours. Comment ça se fait? Ah oui, c'est parce que j'ai mis la puce par là. Ouais. Avant, on la voyait pas, mais c'est parce que j'ai décalé la. Okay. Vous la voyez bien là? Pour effet nuit égale fenouil. Qu'est-ce que tu fais? Bella? Tu veux un câlin de Prisma? Bella, tu veux un câlin de Prisma? Oh oui. Je regarde quand même dans le retour parce qu'on sait jamais. Ça part vite ces choses-là. Hein? Ça prend vite hein? La confiance. Ouais. Bonjour madame. Coucou Dino! Allez, montre-moi tes fesses, oui, t'as raison. Ça faisait longtemps que je les avais pas vues. Hein. Du coup, elle a squatté avec moi dans le lit de Jade cette nuit, elle. Qu'est-ce que tu fais? Je tire dessus, ça fait quoi? Si je tire là-dessus, ça fait quoi? Ça fait que je vais me faire défoncer. sais pas trop comment emmener les choses. Je vais mettre quand même un peu de noir hein, parce que je voudrais faire descendre le bleu. Oh.
Faut vraiment, je me rapproche d'elle quand je viendrai chez toi. Une fois, je forcerai. Elle va m'aimer. Attends, je suis en train d'essayer de voir. Ah, Bella! Elle va t'aimer, ouais, tu vas la forcer à t'aimer. Liam, il essaye, mais il a des problèmes. Du coup, ça le dégoûte un peu en ce moment. Depuis qu'elle l'a chopé l'autre jour. Elle a un sein plus haut que l'autre. C'est vrai? Mais oui, il y en a un, il est plus lourd. Celui-là, il est plus lourd. Oh, merde. On n'a jamais. On n'a pas des seins symétriques. Hein. D'accord? C'est la vraie vie, ça. Oh, et c'est bon, hein. Elle a peut-être subi une mammo, hein, on ne sait pas, hein. Je sais même plus comment ça s'appelle, mais... Mastectomie. On sait pas, hein. Ouais. Je vois pas pourquoi les princesses Disney, elles n'auraient pas le cancer, hein. Ouais, c'est bon, hein. Oh. Elles ont déjà les princes, il faut pas trop, hein. Non, mais... Comme moi, le gauche plus gros que l'autre, wesh. La Cendrillon de la musique du groupe téléphone. Les seins qui tombent. Wesh, Bella, t'es partie. T'étais venue demander des croquettes? T'en as eu hier soir. Hein. C'est bon, hein. Faut arrêter. Hein. T'hibernes pas que je sache. Hein. Mélo à la guitare électrique. Écoutez ça. Franchement. Waouh. Quel talent. Les croquettes, Bella, ça tombe pas du ciel. Mastectomie. Ah ouais, d'accord. J'étais pas du tout. D'accord. Je suis vachement au courant. Hein. La vasectomie, je crois que c'est... c'est ça? Putain, c'est pas possible. Chalope, mes picots. Je sais pas jusqu'où aller en fait pour l'ombre. Il y a des gros ploplos. C'est ça qui fait l'ombre. C'est les gros ploplos. I am thinking, I am thinking. J'adore, il n'y a que ici qu'on peut rigoler d'un truc si grave. Mais oui. Oh, je jure. Entre l'une qui invente des mots et l'autre qui n'utilise pas les bons mots du tout. Non, non, mais. Planète Mika. I am faking. Ah, les miches, les lolos, les boobs, les ch les ch Mais là.
Tu veux qu'elle feuillette quoi? Dans les vitraux? Ouh, quoi dans les vitraux? Lequel vitraux? Moi, c'est souvent le. J'aimerais bien aller dans le 2. J'y vais moins souvent que dans le 1. Pas chouch. Pas. Ch... Oh, j'y arrive pas, hein! Ça marche, j'en garderai ça, j'en proposerai plusieurs au cas où. T'en es déjà fait un. Hein. Bien sûr que toutes les personnes qui souffrent. Bah oui, cœur sur vous. Bien entendu. Oui, je vais l'accompagner pour qu'elle commence un des deux. Viens avec nouvelle. Ouais. Bah oui, une fois que j'ai fini celui-là. Il n'y a pas de souci. Le vitraux, c'est toujours bien. Mais oui, vous me direz lequel vous avez choisi. J'en ai pas fait tant que ça, moi, dans mes vitraux. Je l'aime bien celle-là. Le 1, le 2, que je m'y lance pas solo. Faut que je rush le pull avant. Rush. Yes. I'm a sucker for you. Me, I'm a sucker for you. Ooh. Fais ton pull, on a le temps, mais juste, c'est juste pour mettre un marque-tapage. Et à côté de moi, que je l'oublie pas, Vel et moi, on est vieilles demain, on va oublier. Ce soir, j'aurais déjà oublié, tu sais. C'est de l'orga de vieille, tu sais. Coucou Gaïoul. Comment ça va? On est sur Cendrifion, Barbie Cendrifion. J'ai fini. Le colo de Cassie. I'm sucker for you. Du coup, sa robe. Ça, c'est plus le jupon. Et ce serait là-devant. Que ça serait foncé, du coup. Sa bosse. Ouais. Bah, courage. Si vous allez dans le 1, je vous suis. Ah bah écoutez, hein. Bon, j'arrête, je fais que des bêtises. J'ai pas pris de pause. Ah ouais, mais arrête aussi. Allez, c'est bon, hein. Ils saoulent. Hein. Ils ont qu'à faire marcher leur truc aussi, hein. Tu peux pas faire un des merveilles avec une antiquité, hein. À un moment, si le système fonctionne pas, c'est bon. Hein. Cui-cui. Je sais pas si ça je le mettrai en bleu ou. Oui. Ça sera bleu, mais ça sera pas le même bleu. Yes. I'm a sucker for you. Ça bosse, optimisation Excel. Oh, punaise. Attends, j'ai mal à la tête. Onze zéro deux, on a dit pour le deuxième. Lol. Vous êtes des grandes malades.
suis pas touchée à Excel depuis que j'ai quitté l'école. J'avoue. Ah si, peut-être une fois pour un concours. Excel, c'est quoi? Mais oui, heureusement qu'il y a des gens qui aiment, c'est vrai. C'est le diminutif de excellent. L'excellence grâce à Excel. Je pense que j'utiliserai Voldemort parce que ça va être long. Il est bleu, Prisma, c'est pas mes préfins, franchement. Ah, wish you black a dog, trying to be alive. I'm coming my sin, so you can sharpen your knife. Not for me, you're not dead, just dead. Come on, let me give you life. Je peux faire un fond au pastel sec si j'ai déjà fait mon colo. Oui. Je suis désolée encore d'avoir monopolisé ton live un long moment. Merci d'être là. Je te loue, je t'adore d'amour. Vous êtes top et ça fait du bien vos présences, même IRL. Non mais si vous avez besoin de parler, allez-y. Hein. Oh. C'est sûr. Hein. Oui, je suis sûre que oui, sur certaines, oui, tu peux pas te le permettre. Déjà, quand tu dis bonjour, il y a des fois ça dérange. On espère qu'elle se bouge le fion. Hein? Que tes enfants aient une peu de reconnaissance pour tout ce qui t'a fait pour eux, hein, voilà, durant toutes ces années. Que les grands prennent leurs responsabilités. Alors, on a 10-03, après le 10-24. T'es fait nuit là, c'est l'angoisse. Après, il faut que je fasse le kiffil, j'y retourne. Ça serait nickel. The dance on the floor and around. I am the one. On the dance on the floor and around. Moi, je me suis fait engueuler alors que je disais que j'aimais ses couleurs et son colo. La fille m'a répondu, je m'en fous, je colo pour moi. Bah alors pourquoi tu fais un live? Si elle colo que pour elle, qu'elle colo toute seule. Putain de moucheron de... Va-t'en toi! Ou toi! Ou tu vas pas... Ou tu vois... Saleté de moucheron. It's not my lover. She's just a girl. Elle colo pour elle, mais elle visio pour les autres, c'est ça? Le pire, c'est que la nana a du monde. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça.
Le principe d'un live, c'est pas de par... Bah si. Il va te rentrer dans la narine, va le faire gaffe. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. Ninja moucheron. Pas les narines. J'y touche suffisamment à mon nez. Il s'y passe pas. Ah mais oui, c'est ça, celles qui font des lives, ben non. Moi, je te jure. Non, ben non. Moi, je colo pour justement ne pas être toute seule, colo toute seule dans mon coin. Et, enfin, je sais pas, c'est quand même plus plaisant de partager tout ensemble, de demander les avis des autres. Parce qu'on n'a pas tout le temps... Enfin, moi, je sais que je sais rarement ce que je vais faire sur mon colo quand je le commence. Non, il va pas nicher nulle part. Moi, j'en ai eu une qui expliquait que les gens sur son chat devaient pas parler de leur vie, de leur maladie, parce que elle, si on, elle était malade, elle n'était pas docteur. Il en avait, elle en avait. Oh là là. Oh là là là. Aucun partage. Donc ici, on va parler colo et on parle que de colo, s'il vous plaît. D'accord? Non, puis non. Non, 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 non. C'est triste. C'est triste de pas s'intéresser aux gens avec qui tu partages justement. C'est s'ils cherchent la chaleur corporelle, tu verras cette nuit. Non, la grosse voix de moi. Après, je vais pas vous cacher que ceux qui ne font que parler de leurs problèmes, c'est pas évident non plus. Ceci dit, on est quand même entre nous pour nous se bah, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il faut s'intéresser quand même un minimum aux personnes qui te suivent, quoi. Enfin, je vois pas le... Autant ne pas... Enfin, je... Si t'en as rien à foutre de tes viewers... Je vois. Je me rappelle de ça parce que... Il y a un pauvre gars qui était là depuis X temps apparemment sur son live et il expliquait qu'il avait raté le dernier live parce qu'il avait enterré sa grand-mère et il s'en excuse et en lui payant une vingtaine d'abonnements. Et l'autre... Oh. Putain. C'est pas possible. Oh. C'est ouf. T'as galéré, Cassie? T'es tombé dans des... Sur des lives chelous, des personnes cheloues. Le feu et la glace. Moi, je veux être un pote à maman. Et je veux rentrer. Et j'en veux autant. J'ai une requête. Si prochain live de moi, t'es pas là, tu payes 20. Le... Arrête. Non, non, je ferai un concours dès que je reçois quelque chose d'un partenariat. Je ferai un concours, voilà, sur le plus d'abonnés, on lancera le concours, d'accord? Je veux 100 abonnements d'ici 15 jours, hein, sinon pas de concours. Non, mais sérieux. C'est pour ça qu'après, je restais sur la chaîne YouTube de Simone avant de revenir sur Twitch. Alors que moi j'ai eu de la chance, je suis tombée sur Didi puis Val. Ah ouais, t'as eu plus de chance toi. Le plus de bits, ça compte pas.
Putain, sérieusement. Dès qu'il y a contrepartie, de façon. Hein. Non, mais là, c'est chaud quand même. Répondre ça en plein live en plus. La personne, elle est pas bien. Écoute, elle va s'excuser. Bah, bah, ça va aller. Si c'est la belle version de Twitch et YouTube. Ouais. Et les autres, je vais être claire comme dit Gaël, c'est pas toujours évident, on est des éponges, mais faut pas oublier que vous êtes la nôtre aussi d'éponge, et moi je vous aime avec vos défauts, vos qualités, des gens qui me ressemblent. De toute façon, c'est bien tout trouvé, de toute façon, j'ai envie de dire. Hein? On a tout notre côté foutu. Mais on avance ensemble. Puis oui, on essaie d'être là pour les autres, quoi. Malgré la distance. On est toutes des cassos du même quartier. Arrête, on serait dans le même quartier. Ça se... Oh, laisse tomber. Mon Dieu. Les autres. Ils seraient pas bien, hein. Ça dégouline d'un mur. Bah oui. Non mais imaginez, on habite déjà toutes dans la même ville, c'est fini. C'est fini. On n'a plus de vie, les gens. On est toujours chez l'une, chez l'autre. Nos hommes, ils vont péter un câble, ils ne nous voient plus. Les gosses. On essaie juste de trouver. On va le délaisser à Taz, les gosses. On lui donnera 80 balles. On essaie juste de trouver un milieu pour avoir de quoi sortir la tête de l'eau, sinon, si on reste sur le négatif, bon bah adios, quoi. Non mais c'est ça. Donc plaignez-vous chez moi ou pas. Je suis pas fausse et je vous l'ouvre. Gardez vos mioches. Tu leur feras des spitzules. Qui fait garderie animaux? Ah non, hein? Oh putain! Pardon. Punaise. Punaise de lit. J'ai pas envie d'y aller, Cassie. Le train, il est en partance de rien du tout, là. Le train, il reste à la gare. J'ai pas envie. En plus, c'est le marché de Noël. À 17h30, je fais quoi? Je rentre? Et après, je repars? Ah non, hein. Pas possible. Non, on n'a pas envie d'aller travailler. On n'a pas envie d'aller chercher les enfants. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vais faire une colère, je vais me rouler par terre. Il y a possibilité que ça fonctionne ou pas. Non. Je suis. C'est nul d'être une adulte. Oh là là! Tasse, tu m'adoptes? Comme ça, je resterai dans ma chambre toute la journée. Je viderai le lave-vaisselle si tu veux. Mais après, je ferai que du colo tout le temps. D'accord? Tu me nourris. Il se pourrait qu'il t'appelle les psys pour toi et que tu restes tranquille 40. Voilà. J'ai pas envie. Je vais me faire maltraiter par mes enfants. Maman, je veux ça! Non mais acheter ces activités, quoi. Avec ma chance, j'aurais peut-être la photo de classe aussi. Bah, je me dis que j'ai fini un colo, c'est déjà bien.
Ça serait bien que celui-là, je l'avance bien ce soir. De toute façon, on se retrouve demain. On est jeudi. Hein, c'est ça, hein? Donc, on se retrouve demain. Demain matin, je sais pas. Faut que j'aille voir mes beaux-parents déposer les cadeaux. Hein, les hôtes de Noël, parce que ils vont finir par tomber dessus. Tu vois, j'aurais déjà plus à penser à ça. On va couper la musique. Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid, pensez-vous? Ou je vais encore me faire avoir? Là, franchement, les raids, j'ai vraiment pas de chance là, en ce moment. Hein. Je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a Laurieco. Je vous envoyer chez Laurieco. Laurie, Laurico, Laurieco, comme vous voulez. J'ai trop du mal avec les pseudos. Ouais. Je vous envoie chez elle. Je vous fais des gros gros bisous. On se retrouve demain. Et bah pour celles qui ne seront pas là-bas, tant pis. Je vous fais des gros bisous. Merci pour les resubs, les follow, les machins, les bits. Oh là là. Cassie, t'es une grosse dingue. Des gros bisous. Bonne soirée à vous.